Le Valinois est situé tout juste à côté du parc des Monts-Valin. Et c'est pas juste du ski alpin dans la région, c'est toute une foule d'activités pour les amateurs de plein air. Et ça, été comme hiver. Sur le fjord, l'on retrouve le plus gros centre de pêche blanche au Saguenay. Ici, vous pourrez capturer le sébaste, les perlans, la morue ou l'une des 52 espèces vivant dans le fjord. Les amateurs de motoneige sont au paradis dans les monts Valin. Il est aussi possible de faire la location à quelques pas des sentiers fédérés dans le secteur du Valinois. Il neige sur les monts près de deux fois plus que dans le reste du Saguenay. Dans la fameuse vallée des fantômes, l'enneigement exceptionnel transforme ce territoire en paradis de la raquette, du ski nordique et même du fat bike. La région regorge d'activités de tout genre. On y retrouve même un zoo, sans compter les bonnes tables et activités culturelles de tout genre. Wow, la belle neige! Alors, c'est tout pour cette semaine. Je voudrais remercier Pierre Gagnon et tout son groupe de nous avoir guidés aujourd'hui. Salut, Padoue! Puis je voudrais aussi souligner l'accueil chaleureux des gens du Saguenay. C'est vraiment un immense plaisir de venir découvrir votre région. À la semaine prochaine! Les 30 ans de SkiMag vous ont été présentés par Promotion Saguenay. Michel Lavigueur est fier de skier sur Raccoon, Québécois de souche. Les vêtements de laine Mérino sont offerts par Icebreaker. Merci aux casques prêts ainsi qu'aux lunettes de ski Spectrum. Nous désirons aussi remercier les gants Auclair, fièrement canadiens depuis 1945.